Salut tout le monde, c'est Marianne. Oulala, aujourd'hui nous sommes samedi et nous sommes à Dante Coffee, pas loin de chez nous. On a décidé de prendre un petit truc à manger avant de partir à Juifen, je sais pas comment on dit. Et donc j'ai pris des œufs bénédicts. On va voir ce que ça donne. Je sais pas ce que c'est vraiment, mais bon. De toute façon, c'est toi qui crie. Donc on va manger et après on va se diriger vers la station pour aller prendre le train. Voilà ce qu'on a pour 210$, New Taiwan Dollar, donc un thé et des œufs bénédicts. Donc voilà, c'est ce qu'on va manger. Bon appétit! Nous sommes à Taipei Main Station. On a acheté le ticket pour aller à Liufang. Donc on a le ticket pour 11h30 et là il est à peine 11h, donc on a 30 minutes à attendre. C'est assez facile parce que vous achetez au guichet votre ticket et après en fait il faut juste aller à la plateforme 4 qui est juste là et attendre 11h30 et prendre le train qui est à 11h30. Donc voilà, on va aller à Liufang. Parti. Donc on est à Liufang, on a pris les tickets pour c'est quoi, Shifen. Et c'est à 13h, donc on a une heure en fait là. Donc on va essayer de trouver un truc à grignoter. Donc là on a pris des petits buns, des mandou, etc. Il y en a encore un qui va arriver. Un petit ketchup comme ça, il n'y a que les cuisines chinois. Heureusement qu'ils ont un menu en anglais. Alors je vais goûter le bubble tea qu'on a choisi. On a payé 50$. Non, 40$. Il y a un peu des bouts de pineapple dedans, des bouts d'ananas, des petits bubbles de bubble tea. C'est très rafraîchissant. Donc là on attend le train, on va à Shifen. If I may, I'd like to love you every day. Donc on va pas faire de lanterne parce que ça pollue. Donc voilà. C'est très joli mais ça pollue. Donc non. Pas de lanterne. Il y a un minou là-bas. Essayez de ne pas se faire écraser. On est aux toilettes. Et j'adore sur les trucs qui écrit shampoing. J'adore sur les trucs qui écrit shampoing. Tiens, shampoing. En direct de la forêt. De la forêt vière. Oui, un petit vent sympathique. Je sens la sueur qui coule entre dans mon dos et sur ma poitrine là. Ouh. Elle est belle hein. Elle a un corps jaune. Oui, elle a un corps jaune piqueté, noir avec des points blancs. Cascade. La cascade, on l'entend de loin. On l'entend de loin. Elle est là. Waouh. C'est magnifique. Ah, 不要三了。
后面的就走了。这样不是？Voilà, tout le monde se prend en photo ici. Alors, on est dans ce... Donc on est au Cascade et là j'ai pris un jus de citron, white gourd et lemon juice. Voilà, c'est ferme. Il y a du citron dedans. Ah, c'est trop bon. Bon, il y a des petits pépins. Mais sinon c'est trop bon. Vas-y, essaye. C'est bon, hein? C'est un peu du thé avec... C'est du thé avec du citron, en fait. Tout simplement. Mais attends, viens, maman. Attends. Bon, maman, tu es prête? Oui. Vas-y, là-bas. Vas-y, doux, maman. Wouh! Ça bouge. C'est tout. Ça tangue. Si tu vas comme un fou, tu vas rien. Juste ça. Voilà. Ça va? J'arrive. C'est bon. Je suis là sur le pied, sur la terre ferme. Oui. Maman qui vient très fière. Nous avons traversé. Je suis fière de toi. Oui. Tu as le droit à une gorgée. C'est bon. Merci. Bon, on retourne à la... On est arrivé à Jiufen. Voilà, donc on a pris le taxi. 205 pour deux personnes, ça faisait à peu près 5,5 km. Donc voilà, on est à Jiufen, devant la police station. Et là, il y a un gros chat. Et je pense que c'est par là. Thank you.
une tea house, c'est un petit peu cher, mais c'est dans un cadre magnifique. C'est une maison traditionnelle, je ne sais pas comment ça s'appelle une maison comme ça, mais en tout cas, le cadre est magnifique. On est dans des petites trucs comme ça là. Nous on a pris ice. Je vais goûter, attention. T'approche pas, sinon je sais pas. C'est bon, ça sent. C'est un peu comme les tops en fait. Mais c'est bon. C'est un peu comme les bubbles en fait qu'il y a dans les bubble tea. Il y a le bouchon, ça ne veut pas sortir. Là il y a tout le monde, mais ça n'avance pas. Parce qu'il y a des petits lampions rouges, donc c'est joli. Alors on est dans un bus parce qu'en fait j'ai demandé à deux Coréennes si ce bus allait à Taipei. Et elles m'ont dit oui. Et du coup on l'a pris. Et voilà. On a eu deux places, on a de la chance parce qu'on a eu une place assise. Donc on n'est pas à côté, mais bon, voilà. On se voit avec elle. Voilà. On est reparti sur Taipei. C'était trop bien, je vous fais. C'était trop bien. Il y avait plein de trucs à voir. En fait, il faudrait venir vraiment une journée, rien manger le matin et venir essayer tous les trucs de bouffe. Franchement. Si j'avais à refaire quelque chose, je reviendrais toute la journée juste ici pour manger.